Salut tout le monde et bienvenue à la deuxième épisode de NBHL On The Ball pour la saison automnale 2013. Je suis votre animateur, Matthew LaFleur-Harewood. Dans cet épisode, on voit des matchs de la Ligue B, F et I qui devraient être assez serrés si on juge leur place au classement. Passons à l'action. Pour notre première partie, on se retrouve dans la Ligue F pour voir Wasted Robots affronter Deep Rock. Ces deux équipes se trouvent au côté opposé du classement. Wasted Robots trône au sommet, tandis que Deep Rock se retrouve au 9e rang, un point derrière les Titans pour la dernière place en série. Deep Rock devra calmer l'attaque la plus dangereuse du circuit s'il veut gagner le match. On commence cette partie avec Deep Rock en zone adverse. Gabe Kaplansky manœuvre bien la balle à la ligne bleue, mais Joe Fuoco réalise l'arrêt de la jambière. Wasted Robots ouvre la marque à la 10e minute de jeu. Justin Kernan rejoint Shane Renault qui lui remet la politesse et Kernan marque avec un tir du revers qui bat Philip Crawford du côté du bouclier. C'est 1-0. Les boys en bleu reviennent à la charge 5 minutes plus tard. Une autre belle pièce de jeu donne une bonne chance à Matt McCullough, mais Clifford réussit l'arrêt avec la manche de son bâton. Un bel arrêt sur un tir franc. Décidément, Kaplansky se charge de l'attaque de Deep Rock en début de match. Il repère normalement la brosse qui prend un tir qui arrête Fuoco, mais il perd le retour avant qu'un coéquipier puisse libérer la zone dangereuse. Wasted Robots vont doubler leur avance quelques jeux plus tard. Le tir de la pointe de Davis Dixon est stoppé, mais Richard Péloquin, laissé seul devant Clifford, s'empare du rebond pour déjouer le gardien. Suite à une mise en jeu gagnée, Kyle Dempster décoche un tir puissant sur réception qui bat Fuoco dans le haut du filet. Il n'y a rien à faire sur ce tir, l'avance n'est que d'un but. Maintenant, en deuxième période, Anthony Trombetta voit son tir sur réception capté par Fuoco. Wasted Robots vont marquer deux buts rapides tôt en deuxième avant que Kiernan score son deuxième but du match à l'aide d'un tir frappé pendant que Clifford avait la vue voilée. C'est maintenant 5-1. Deep Rock vont réussir à réduire l'écart avec 10 minutes à faire. La brosse, placée à droite du filet, va rediriger le tir de Dave Shipman avant de prendre un retour pour déjouer le gardien entre les jambes. 5-2 Robots. Deep Rock continue à attaquer en fin de match. Une belle incursion en zone ennemie des boys en blanc mène à une bonne chance pour Sean Binsley, qui va sentir frapper la tige horizontale derrière Fuoco. Deep Rock font tout pour essayer de battre le gardien des Wasted Robots, mais ne parviennent pas à le battre à nouveau et vont finalement s'incliner par la marque finale de 5-2. Avec la victoire, Wasted Robots s'assure de garder leur premier rang au classement de la Ligue F, tandis que Deep Rock manque une chance de se procurer de la dernière place menant en série. Kiernan et Renault ont chacun terminé le match avec 3 points. Fuoco était le gardien le plus occupé, lui qui a fait face à 24 tirs, pendant que son vis-à-vis Clifford en a reçu 20. Notre deuxième rencontre nous transporte à la Ligue E, où on retrouve Beaver Bay croiser le fer avec les Bears. Ce match figure un match important pour les deux équipes qui sont à égalité au classement. Beaver Bay n'a pas savouré la victoire en 4 parties, tandis que les Bears ont 3 victoires et 1 match nul durant cette même période. Les Bears mènent la série entre les deux équipes avec une victoire et un match nul. Ce match commence en zone neutre avec Marc-André Laroche qui attaque la zone des Bears. Le rapide attaquant déborde son couvreur mais se bite à Howard Efros. Sam Beauchamp s'empare de la balle et déjoue le gardien avec un tir du revers. Avec moins de 3 minutes écoulées, c'est 1-0 Beaver Bay. Maintenant en désavantage numérique, le dégagement est arrêté à la ligne bleue. Danny Smith fait l'arrêt initial et réussit à faire le deuxième en étirant son bras juste à temps. En deuxième période, c'est maintenant 2-0 quand le duo Laroche-Beauchamp se remet en marche. Laroche accepte la passe de Beauchamp en zone neutre et se faufile entre les deux défenseurs avant de battre Efros avec un tir parfait dans le haut du filet. Une belle pièce de jeu des deux vedettes de l'équipe. Les deux jeunes reviennent à la charge 40 secondes plus tard. Beauchamp patiente avec la balle sur la bande avant de décocher son tir. Il rate le filet, mais Laroche frappe le retour dans les airs pour marquer son deuxième but du match. Une belle touche du numéro 79, c'est 4-0. Les Bears vont réduire l'écart avec 14 minutes à faire à la partie. Incapable de sortir la balle de sa zone suite à une mise en jeu perdue, Joey Bernardo va intercepter la balle dans l'enclave et décoche un tir foudroyant qui bat Smith dans la partie supérieure. C'est maintenant 4-1. Laroche va compléter son tour du chapeau sur une descente à 3-1. Eric Farmer est très patient avec la balle et attend jusqu'à la toute fin avant de lui remettre la balle pour lui offrir une cage déserte. Les Bears cherchent à revenir dans ce match. Chris Killiou rejoint Jean Desroches dans l'enclave et ce dernier envoie tout un boulet de canon vers le filet de Smith
qui lui vole un but avec son déplacement qui mérite d'être vu une deuxième fois. Kalliu revient à la charge quelques jeux plus tard. Il déborde Joe Medeiros de vitesse avant de laisser la balle à Neil Matriciano, qui vote un tir rapide pour battre le gardien adverse dans le haut du filet. L'écart est maintenant de 3. Desroches et Matriciano attaquent en surnombre peu après, mais Smith fait un bel arrêt de la jambière pour garder la marque 5-2. Avec un peu moins de 3 minutes à part à la partie, Mark Florea, en se battant avec Peter Panopoulos devant le filet, redirige la balle derrière son propre gardien. 5-3 est le plus près que les Bears s'approcheront de Beaver Bay. Beauchamp marquera dans un filet désert et Beaver Bay l'emporte 6-3. Le duo Beauchamp-Laroche a combiné pour 5 buts et 4 aides dans le match. Chris Kalliu a fini le match avec 2 passes pour les Bears. La victoire permet à Beaver Bay d'être un match au-dessus de la barre de 500, tandis que la défaite met les Bears un match en dessous de cette même barre. Le match numéro 3 voit Down to Puck se frotter contre les Trailer Park Boys de la Ligue B. Les deux équipes se trouvent à égalité avec deux autres équipes pour le troisième rang en classement. Down to Puck vont essayer de remporter un deuxième match de suite, tandis que les Trailer Park Boys vont tenter d'éviter un deuxième revers de suite. Les deux équipes ont joué un match nul dans leur premier match de la saison. Ce match commence avec une belle chance pour Trailer Park Boys. Kevin Fizzle a Brad Johns à sa merci, mais son tir rate de peu à gauche du filet. Une mauvaise sortie de Brian Marchetti mène au premier but de Down to Puck. Le dégagement raté laisse tout le monde hors de position. Brady Armstrong va livrer une passe parfaite à Sean Sproul, qui va battre Marchetti à l'aide d'un tir sur réception. C'est 1-0, DTP. DTP vont doubler leur avance sur une descente à 2 contre 1. TJ Ward attend au bon moment pour passer à Ben Magnon, qui tire sur réception et bat le gardien dans le bas du filet. Trailer Park Boys vont couper l'écart en deux lorsque Bobby Sims prend le retour de lancer de Vijay Oberoi. Il se pose sur la bande et décoche un tir qui se faufile entre le trafic devant le filet de Johns. La marque est 2-1. Les Boys attaquent de nouveau quelques jeux plus tard, mais cette fois-ci, Johns a le dessus sur Sims et réussit ensuite à couvrir le retour. Maintenant en deuxième période, Matt Petulli va redonner l'avance de 2 buts à son équipe. Le numéro 26 manie la balle dans l'enclave entre 3 joueurs avant de décocher un tir bas qui échappe à Marchetti. 3-1 dans Tampa. Trailer Park Boys cherche à réduire l'écart à nouveau dans les moments qui suivent. Le tir de la pointe est arrêté, mais Mike Brisson prend le retour et trouve Nick Laframboise, qui voit son tir frapper le poteau. Avec le score maintenant 4-1, Eric Spemsieri va mettre le match hors de portée lorsqu'il bat Marchetti sur une échappée à l'aide d'une belle feinte du revers. Les Boys ne baissent pas les bras malgré la marque de 5-1 et continuent à attaquer. Brisson se voit donner une belle chance près de Johns, mais ce dernier lui barre la route. La marque aurait pu être beaucoup plus pire qu'elle l'est si ce n'était pas pour le brio de Marchetti devant le filet. Voici deux exemples concrets. D'abord, il frise Sproul avec un arrêt de la mitaine absolument incroyable. Regardez comment il fait l'arrêt à in extremis. Et comme si Sproul n'en avait pas assez du premier arrêt, Marchetti lui sert une autre beauté avec son gant sur ce jeu-ci en y rajoutant un peu de moutarde. Trailer Park Boys finiront par s'incliner par la marque de 5-1. Magnon, Sproul et Ward ont tous fini le match avec 2 points chacun. La victoire permet à Down to Puck de dépasser les Trailer Park Boys dans le classement général. Marchetti a été bombardé par 33 lancers, tandis que son vis-à-vis Johns en a fait face à 19, concédant qu'une fois. On retourne dans la Ligue E pour notre prochain match avec Fury contre Accelerates. Fury se trouve en avant-dernière position au classement, 1 point hors d'une place en série, tandis que Accelerates sont deuxième, 1 point derrière les Rebels, avec 2 matchs en main. Accelerates ont marqué plus que le tiers de leur but cette saison contre Fury, soit 10-28, avec des victoires de 5-1 et 5-2 dans leurs 2 premiers matchs. On commence ce match en zone neutre. JP Derry soutire la balle et s'amène en zone de Fury. Il déjoue le dernier défenseur avant de remettre la balle à Jérémy Martin, qui a un filet ouvert pour marquer le premier but du match. 1-0, Accelerates. Derry et Martin reviennent à la charge peu de temps après, mais cette fois-ci, James Figura fait un bel arrêt de la mitaine aux dépens de Martin. Figura reste vigilant devant son filet lorsque Accelerates continue d'attaquer. Le premier tir d'Olivier Sandreski frappe son propre joueur, mais sa deuxième se rend au gardien qui fait l'arrêt du bouclier. Accelerates vont doubler leur avance dans ce match avec 6 minutes d'écoulées. Jonathan Kerr s'empare de la balle à la ligne bleue adverse. Il coupe vers le milieu et décoche un tir frappé qui déjoue Figura dans le coin supérieur droit. Un tir précis du numéro 20.
Fury vont accuser un retard de 3 buts avec moins de 10 minutes d'écoulées au match. Derry s'échappe vers Figueroa, mais pousse la balle trop loin. Le gardien de Fury essaie de l'harponner, mais rate son coup et la balle se rend jusqu'au filet. C'est 3-0. Fury est en avantage numérique quand Tasso Adamakopoulos s'approche de l'enclave, mais voit son tir frapper le poteau. De l'autre côté de la surface, c'est Figueroa qui frustre Sergis Mavashlio alors qu'il s'étend de tout son long. En toute fin de première, Lindsay McLean contourne le filet et repère Evan McRae de l'autre côté. Ce dernier pivote et prend un tir du revers, mais Carl Cliché fait l'arrêt. Maintenant en deuxième, Fury vont s'inscrire au tableau principal. Quentin Lowe rejoint McLean sur la bande. Le numéro 37 s'amène ensuite en haut du cercle des mises en jeu et décoche un tir qui bat Cliché, qui avait la vue voilée par Lowe. C'est 3-1, Celerates. Encore avec Fury à l'attaque, McRae entre en zone adverse. Il attend qu'Éric Bouchard s'amène près de Cliché et lui refile la balle, mais ce dernier rate sa déviation et le jeu avorte. Il avait un filet ouvert devant lui. Avec la marque maintenant 4-1, Celerates vont sceller l'issue du match par l'entremise de Kayer. Comme il l'a fait lors de son premier but, le numéro 20 coupe vers le centre de la zone avant de décocher un tir qui bat le gardien dans la partie supérieure. La marque finale est 5-1, Celerates. G. Cabral a terminé la rencontre avec 3 passes à sa fiche. Avec la victoire, Celerates améliore leur fiche à 7 victoires en 8 matchs, tandis que Fury échappe un 4e match en 8 parties cette saison, pour une fiche de 2-4-2. Figueroa a fait face à 28 lancés, et Cliché n'a fait face qu'à 18. Pour notre dernière rencontre, on se retourne vers la Ligue F, où The Boys se mesure contre les Black Dragons. The Boys sont au 6e rang avec une fiche de 3 victoires, 4 défaites et 1 match nul, bon pour 7 points, tandis que les Black Dragons se retrouvent en 4e position avec une fiche de 3 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. The Boys tenteront d'éviter une 4e défaite d'affilée, tandis que les Black Dragons cherchent à gagner un 2e match de suite pour la 2e fois cette saison. Notre dernier match débute avec les Black Dragons en avantage numérique. La balle est envoyée derrière le filet de Curtis Cournoyer, où Torita Tay la remet à Fred Chow, qui bat le gardien à l'aide d'un tir du revers. C'est 1-0, Dragons. Les Dragons doublent la marque seulement 30 secondes plus tard. Minor Patel est laissé seul à la ligne bleue entre les défenseurs et s'amène devant Cournoyer, le battant avec un tir rapide entre les jambes. Un tir qu'il aimerait certainement revoir. The Boys tentent de répliquer aussitôt en zone adverse, mais le tir d'André Ouellet est facilement capté par Martin Desplantis. Avec le score maintenant 3-0, Cournoyer fait ce qu'il peut pour garder son équipe dans le match. Il suit bien le tir de la pointe et couvre rapidement le retour. Ensuite, après une sortie ratée de sa part derrière le filet, il corrige sa bévue en interceptant la passe vers l'enclave. Cette manœuvre brise un jeu et un but certain. André Ouellet s'occupe de l'attaque des siens tôt dans le match. Il s'amène en zone neutre, contourne les deux défenseurs, mais ne peut pas Desplantis, qui résiste. Suite à un tir qui rate le filet, Desplantis fait face à un bon tir de Craig Cornoni qui repousse dans le coin. Avant la fin de la première période, Cournoyer s'illustre à plein devant Patel lorsqu'il suit la balle malgré le trafic devant lui et fait un arrêt de la jambière spectaculaire pour priver l'attaquant d'un autre but. Maintenant en deuxième et avec le score 4-0, la pression des Black Dragons force un revirement en zone adverse qui donne la chance à Torita Tay de marquer sur son propre retour de lancer, seul devant Cournoyer. C'est maintenant 5-0. Malgré le match qui est clairement hors de portée pour The Boys, Cournoyer continue de multiplier les arrêts et voici un bon exemple face à Alexander Huang, qui est frustré à 2 reprises. Plus tard dans la période, Stu Klein s'offre une belle chance de marquer lorsqu'il descend le côté de la bande, mais il rate le filet lorsqu'il décoche son tir. En avantage numérique en fin de période, Chow va marquer son 2e but de la soirée lorsqu'il redirige habilement le tir-passe venant de la pointe. Un beau jeu qui rajoute aux misères de The Boys. En fin de match, Ouellet tente d'éviter son équipe d'être blanchie lorsqu'il soutire la balle au défenseur, mais n'est pas capable de déjouer Desplantis avec son tir du revers. The Boys s'incline finalement 7-0. Chow, Patel et Nicolas Lavoie finissent tous les trois avec 3 points chaque. 10 différents joueurs ont fini le match avec au moins 1 point. La victoire permet aux Black Dragons de respirer un peu en se créant de l'espace entre eux et The Boys. Cournoyer a fait face à 29 tirs dans la défaite. Voici le pire jeu de la soirée. C'est certainement pas le pire des pires, mais une mauvaise sortie de Brian Marchetti mène au premier but de Dante Puck. Le dégagement raté laisse tout le monde hors de position et Sean Spruill va battre Marchetti à l'aide d'un tir sur réception. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. C'est une première sur On the Ball avec deux jeux qui méritent d'être revus. Le premier,
Le but de Marc-André Laroche, qui se faufile entre les deux défenseurs avant de battre le gardien avec un tir précis du revers. Regardez de près la beauté de ce jeu. Et pour notre deuxième jeu, Marchetti est capable du pire comme du mieux. Le gardien rachète sa bévue de plus tôt dans le match en frustrant Sproul avec un arrêt ridicule de la mitaine. Ces deux jeux méritent vraiment d'être les jeux de la soirée. Et voilà pour un autre épisode de NBHL on the ball. J'espère que vous vous êtes amusés. On a d'autres actions de la NBHL qui s'en viennent dans les prochaines semaines, donc restez à l'écoute. Entre-temps, suivez-nous sur Twitter et aimez-nous sur Facebook. C'est Mathieu Lafleur-Harewood qui vous souhaite une belle journée.